Aujourd'hui, je te donne les 5 étapes primordiales nécessaires pour bien débuter dans le coaching sportif. Quand tu te lances à ton compte, tu te poses beaucoup de questions sur les tarifs, la communication, comment trouver des clients, comment faire en sorte que ta boîte fonctionne rapidement, etc., etc. Je réponds à toutes ces questions, toutes ces interrogations, avec les 5 étapes que je te donne aujourd'hui pour bien débuter dans le coaching sportif. Bonjour, je m'appelle Anthony Chav, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet au coach d'avoir un vrai GPS pour trouver le chemin le plus rapide de la réussite. Alors aujourd'hui, je t'explique tout simplement que quand tu démarres, tu as plein de bonnes intentions, tu as plein de bonnes idées, mais du coup, tu vas faire souvent des erreurs, comme tout le monde, parce que du coup, quand tu débutes et que tu n'es pas expérimenté là-dedans, tu penses bien faire, tu penses avoir la bonne méthode, mais tu vas par essai-erreur devoir la trouver, ça va te prendre du temps. Donc aujourd'hui, je t'explique dans les 5 étapes là, les plus importantes, les primordiales pour justement gagner du temps et vite gagner de l'argent. La toute première, c'est ton positionnement. Il y a deux points importants, ça va être le premier point sur ton positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est un. Et on fait l'erreur souvent, c'est très bien connaître ta concurrence. On se lance généralement comme ça en disant « j'ai une super idée, je suis le meilleur ». Indirectement, on le fait comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, tu ne vas pas te différencier des autres. Mais du coup, ce qu'il va falloir, c'est bien connaître tes concurrents pour justement ne pas faire comme eux et faire des choses différemment pour justement sortir du lot. Donc ça, c'est la première chose et le premier point important. Le deuxième, c'est ton offre. Pareil, on pense avoir une offre qui va cartonner et on veut sortir une offre en fonction de ce qu'on pense nous. Non. C'est tes clients et tes futurs clients qu'il faut interroger pour que du coup tu puisses créer une offre qui leur corresponde et avoir un business qui tourne rapidement. Ça, c'est les deux premiers points les plus importants, c'est ton positionnement. C'est souvent oublié, on se jette souvent à corps perdu parce qu'on est motivé, on a envie de vite attaquer. Il faut d'abord une première étape importante avec cette histoire de la concurrence que tu vas étudier et de ton offre que tu vas faire en fonction de tes clients et non pas en fonction de ce que tu penses toi. La prochaine étape numéro 3, c'est tes tarifs. Comment je fais pour créer mes tarifs et comment je fais pour créer une grille tarifaire? La première chose, et je vais donner un conseil sur ces tarifs-là, ne mets pas de tarifs dégressifs. Non, ne mets pas les. Alors, si tu veux mettre les 10 séances moins chères qu'une séance, ça pourquoi pas. Mais ne mets pas 20, 30, 40, 50 séances avec un prix qui descend. Ton tarif à l'heure va descendre, va baisser. Et c'est pas comme ça que tu vas fidéliser tes clients. C'est souvent là-dessus qu'on se trompe. On se dit, si je fais ça, les gens vont rester longtemps. Et ben non, parce que même à un prix plus élevé, important, tu peux regarder d'autres vidéos dans lesquelles je parle de ce fameux tarif élevé, tes clients vont rester parce que c'est toi, parce que c'est bien ce que tu fais et non pas parce que tu vas leur offrir 50 séances au départ avec un prix qui est très 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 bas. Et ton tarif à l'heure va baisser et tu vas devoir faire beaucoup d'heures pour du coup gagner ta vie correctement. Donc ça, c'est une erreur courante. Je te le dis, ne mets pas de tarif dégressif. Le point suivant, c'est comment bien démarrer administrativement parlant. Parce que quand tu lances ta boîte, tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que je fais comme type de société? Comment je me monte? Qu'est-ce que j'ai comme papier à faire? Alors, les deux points importants que tu as à connaître et à savoir, c'est que du coup, si tu crées une autre entreprise, c'est très très simple. D'accord? C'est très très simple. Tu vas juste à taper auto-entreprise sur Google et tu vas trouver la démarche qui est encore une fois très facile. Ne te fais pas avoir. Les sites qui te proposent de payer pour ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, ne te fais pas avoir sur ce point-là. Ensuite, et je contiens là-dessus, c'est important aussi, il faut absolument que tu aies une assurance quand tu es coach sportif. Parce que du coup, une assurance pour deux choses, je pense. La première, c'est une assurance où il t'arrive quelque chose à toi et surtout à tes clients. D'accord ? Pense-y parce que ça, on ne le fait pas souvent. On veut économiser de l'argent. On se dit, je ne vais pas faire ça. On n'y pense même pas. Prends une assurance parce que imagine qu'un de tes clients se blesse, qu'il lui arrive quelque chose de grave, ça peut arriver, d'accord? Du coup, c'est toi qui vas devoir payer jusqu'à la fin de ta vie. Pour ça, c'est une assurance. Du coup, ça ne va pas être préjudiciable à toi, directement, financièrement, tout au long de ta vie. C'est bête de penser à ça, mais c'est la chose à laquelle il faut penser. Pense-y bien là-dessus. Et une assurance pour toi aussi, une assurance avec indemnité journalière, ça s'appelle. Parce que du coup, au cas où il t'arrive quelque chose à toi que tu ne puisses plus exercer, tu ne vas plus avoir de revenus et il faut couvrir tes revenus aussi. Voilà, donc les trois points importants, ne paye pas pour créer ton entreprise, ça ne sert à rien. Et prends deux assurances, une qui couvre tes clients, une qui te couvre toi. C'est important pour ton business et pour ton avenir. Le dernier point concerne la communication. On pense au départ qu'il suffit de publier et de communiquer pour que ça fonctionne. On se dit « oui, super, je vais attirer les gens parce que ce que je fais est génial ». Mais du coup, communiquer, c'est une méthodologie. Il faut qu'il y ait un but derrière et une organisation de ta communication. Donc, je t'invite à réfléchir en profondeur et grâce au point précédent que je t'ai proposé, tu l'auras déjà fait, à réfléchir en profondeur sur ce que tu veux mettre en avant et la manière dont les gens vont progresser et avoir leur objectif parce que tu proposes. Attention, comment les gens vont y arriver? Quelque part, ils s'en foutent. Ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Donc, il faut que toi, tu parles et que tu vends tes résultats. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, faire des témoignages, c'est important. C'est une crédibilité. Il faut que les gens voient que tu es crédible dans ce que tu proposes et que les objectifs, ils vont les atteindre
peu importe la manière finalement que tu vas utiliser. Voilà. Je t'ai donné aujourd'hui les 5 points qui me paraissaient les plus importants avec des pièges à éviter et on tombe souvent dedans, d'accord ? J'y suis tombé dedans, c'est pour ça que je t'en parle et que je te le dis avec toute humilité et sans jugement du tout. Du coup, plus d'informations comme ça, cette vidéo t'a plu, tu veux avoir plus d'infos pour bien démarrer dans ton business, tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est le lien de la newsletter et tous les jours tu recevras des vidéos qui vont te permettre d'éviter des erreurs, de booster ton business et du coup de vivre ta vie de coach sportif avec un certain confort. Bonne journée !